Nous accueillons maintenant Madame Frédérica Cilia, qui est maître de conférence en psychologie à l'INSP d'Amiens, c'est ça ? Plus. Plus à l'INSP ? Non, je suis depuis septembre au département de psychologie de l'UFR-SHSP. pardonnez-moi. Je ça ne fait pas longtemps. Et donc, félicitations pour ce déplacement. et donc, votre spécialité, alors je comprends que l'INSP jouait un rôle sans doute au début, puisque c'est la cognition sociale chez l'enfant, et notamment vous intéressez à l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap et des diagnostics des troubles du neurodéveloppement. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la continuité pédagogique pour les élèves en situation de handicap dans l'Académie d'Amiens, bien sûr, pendant la crise Covid. Absolument, je vous remercie. Donc, c'est un travail en collaboration avec plusieurs collègues du Centre de recherche de psychologie, cognition, psychisme et organisation, donc le CRP-CPO. C'est ma collègue Laurie Bernon qui était porteuse de ce projet en réponse à l'appel à projet CARE Covid qui a eu lieu en mars 2020. Elle s'excuse de ne pouvoir être là et donc m'a demandé de la remplacer ce matin. C'est effectivement un projet qui s'intéresse à la mise en place du plan de continuité pédagogique pour les élèves en situation de handicap. Donc, des élèves que l'on appelle à besoins éducatifs particuliers, on y reviendra, et qui étaient dans l'Académie d'Amiens, évidemment de cette région Hauts-de-France. C'est un projet qui repose sur la collaboration entre enseignants-chercheurs en psychologie du laboratoire, mais également le centre d'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap. Donc on avait ce qu'on appelle les IUNASH, les inspecteurs de l'éducation nationale qui travaillent sur les élèves en situation de handicap, qui étaient partie prenante de ce projet. Évidemment l'INSP, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, dans lequel maintenant ma collègue Laurie Bernon est professeure des universités. Et puis nous avons travaillé avec le rectorat d'Amiens. Donc c'est un projet qui a été financé par le MESRI dans le cadre de cet appel à projet durant le Covid. Vraiment durant la crise Covid, le confinement où les élèves n'allaient pas du tout en classe. Puisque le 16 mars 2020, nous connaissions cette situation inédite, très brutale, avec l'annonce du confinement qui s'est traduit, entre autres, par la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires qui a duré à peu près un an. Cela a été extrêmement long. Les élèves ne sont pas revenus beaucoup. Il n'y avait que les élèves dont les parents étaient soignants, qui avaient accès aux classes. Donc pendant presque une année, on a eu comme ça quelque chose d'absolument inédit pour les élèves. Donc avec cette fermeture des établissements scolaires, j'ai marqué mars 2020, mais ça avait commencé en 2000, j'ai marqué 2021, excusez-moi sur les diapos, mais évidemment ça avait commencé en 2020, très vite. Et ce qui a dû être mis en place, c'est ce qu'on a appelé un plan de continuité pédagogique. On a essayé de mettre en place ça, le gouvernement a essayé ça, pour ne pas entraîner chez les élèves une rupture totale des apprentissages. Toutefois, cette situation qui a été inédite, anxiogène, on en a parlé, avec une rupture sociale et également une rupture scolaire, a été très importante et très impactante pour les personnes en situation de handicap, qui, on y reviendra, ne sont pas toujours inclus, n'ont pas toujours les mêmes chances, n'ont pas toujours les mêmes possibilités. Et là, on se rendait compte encore plus de cette fracture entre le monde scolaire, qui est censé inclure tout le monde, tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, y compris ceux en situation de handicap. Alors, la littérature a beaucoup traitée de ces questions. Elle a été florissante, surtout ces 18 derniers mois, le temps que les chercheurs analysent un petit peu toutes leurs données. Et finalement, ça a été très florissant dans le domaine de la santé.
côté sciences humaines et sociales, il y a eu des travaux hein, sur l'impact psychologique, sur la sociologie qu'on a vu tout à l'heure, qui commencent à être publiés. Alors, on met peut-être toujours un petit peu plus de temps que la santé, mais on arrive, on est là. Et donc, s'agissant de l'évaluation des apprentissages scolaires, et en particulier pour les élèves en situation de handicap, très, très, très peu de données sont disponibles. Il y a très peu de choses. C'est essentiellement des témoignages de famille, des choses qui ne sont pas du tout scientifiques. Et il fallait pallier à ça, il fallait qu'on ait quand même une méthodologie qui nous permette d'en ressortir quelque chose. Alors, voici les chiffres de l'Académie d'Amiens pour que vous rendiez un petit peu compte des besoins qui sont absolument criants dans notre académie. Dans notre académie, par rapport à ces troubles ou ces atteintes d'élèves qui sont scolarisés en premier et second degré. Donc, le premier degré, c'est la maternelle et la primaire, hein, et le second degré, ce sont les collèges et les lycées. Alors, les troubles et les atteintes qui sont définis par l'éducation nationale. Il y a différentes catégories. On a les troubles intellectuels ou cognitifs, les troubles du psychisme, les troubles du langage ou de la parole, les troubles auditifs, visuels, viscéraux, moteurs, plusieurs troubles associés et autres troubles. C'est comme ça qu'il les catégorise. Avec, si on prend un petit peu en détail, on a 3767 élèves en situation de handicap scolarisés dans le premier degré et à peu près le même chiffre, 3763 dans le second degré. Donc ça, c'est relativement important de montrer qu'il y a quand même une continuité premier-second degré. Hein. Les élèves en situation de handicap peuvent aller jusqu'au lycée, évidemment. Et là où on en a beaucoup, c'est en scolarisation collective du type ULIS-école ou ULIS-collège. Avant, on appelait ça les CLIS. Et ce sont donc ces unités qui sont incluses dans les écoles et dans lesquelles les élèves vont une certaine partie de la journée avec un enseignant spécialisé. Et puis, une autre partie de la journée, ils sont dans ce qu'on appelle leur classe de référence. Ils vont être inclus avec d'autres élèves de leur âge sur certaines matières. Ce qui est très différent de ce qu'on appelait les CLIS, dans lesquelles on était dans l'intégration et non pas dans l'inclusion, puisque les élèves étaient dans une classe spécialisée, hein, si on peut dire, toute la journée, uniquement. Alors que là, dans les ULIS, l'idée est effectivement qu'ils aient une classe de référence, je ne sais pas, 6e B, comme tous les autres élèves de leur âge, mais ils vont dans l'ULIS uniquement sur certaines matières, avec leur enseignant spécialisé qui va faire du lien avec l'enseignant des autres matières, des autres classes. Ça, c'est pareil en école primaire hein, ou au collège. Donc, en tout, dans ces fameuses écoles ULIS, second et premier degré, on voit qu'on a 4104 élèves dans l'Académie d'Amiens uniquement. Vous voyez, vous vous rendez compte un petit peu de ces chiffres-là. Et si je vais plus loin, en tout, on a 11634 élèves en situation de handicap scolarisés dans le milieu ordinaire. D'accord ? Dans ces chiffres-là, on ne parle pas des élèves qui sont scolarisés à l'hôpital, des élèves qui sont scolarisés en IME, par exemple, l'Institut médico-éducatif. Donc là, je vous parle vraiment des chiffres de l'inclusion scolaire. Parmi ces 11634 élèves en situation de handicap, se rajoutent, c'est en tout, quand même encore, 2572 élèves qui relèvent de ces établissements plutôt sanitaires ou médico-sociaux dont je viens de vous parler. Donc, en tout, dans l'Académie d'Amiens, on est à 11634 élèves en situation de handicap sur les derniers chiffres du gouvernement et de l'Académie. Connaissant ce chiffre qui est assez important, on imagine qu'il est nécessaire de faire de la recherche sur qu'est-ce qui s'est passé pour eux et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer leur inclusion et la continuité de pédagogique. On va en parler de manière globale, mais on va voir que pour ces élèves-là, c'est peut-être encore plus compliqué. Donc, dans le cadre de cet appel à projet Care Covid, nous avons tout d'abord pris la tâche de la conseillère technique auprès du recteur pour avoir des liens dans l'éducation nationale, discuter de la faisabilité du projet. Et elle nous a permis de contacter les inspecteurs de l'éducation nationale en ASH, des trois départements. Donc en Picardie, nous avons la Somme, l'Aisne et l'Oise. Et après discussion avec eux, nous avons décidé de mobiliser des enseignants qui s'appellent les enseignants référents d'élèves en situation de handicap.
Il y a plein de sigles dans l'éducation nationale, donc les RH ici, qui sont les plus proches du terrain en fait et qui connaissent le mieux les problématiques rencontrées par les enseignants, qui connaissent le mieux les familles. Situation sanitaire oblige, nous aussi, on a opté pour la diffusion d'un questionnaire en ligne, mais qui a été envoyé par ces enseignants référents à destination donc, des enseignants et des familles. Malgré les chiffres immenses que je vous ai présentés tout à l'heure, nous n'avons eu que 25 répondants dans les familles et chez les enseignants. Pour chaque questionnaire, on avait 5 blocs de questions que nous avons créés. Certaines étaient issues d'échelles déjà standardisées, validées. D'autres ont été créées. Donc, on s'est questionné évidemment sur les nouvelles pratiques pédagogiques, sur le mode de communication privilégié, sur les outils pédagogiques proposés et utilisés, sur la guidance parentale. Et puis sur la projection quant au retour en classe. Et parmi les enseignants, pour vous montrer un petit peu les résultats sur nos fameux 25 seuls enseignants qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire, on avait 4 enseignants en maternelle, 15 en élémentaire, parmi lesquels 7 étaient en ULIS, 6 en collège, dont 1 en ULIS. Aucune réponse au lycée, ce qui finalement est relativement cohérent avec le faible accueil d'élèves en situation de handicap jusqu'au lycée. On arrive souvent au collège, mais au lycée, il y a très peu d'étudiants en situation de handicap. Ce qui ensuite questionne par rapport à leur accès aux études supérieures, évidemment, et à l'université. On pourra en reparler si vous le souhaitez, par exemple, autour du programme ASPI Friendly, duquel je fais partie, hein, qui prône l'inclusion des étudiants en situation de handicap qui présentent un autisme et qui jusque-là s'intégraient très peu à l'université, avec cette université qui est un monde qui n'est pas toujours très structuré, ce qui est difficile pour eux. Et donc, on a besoin de mettre en place des choses pour que ces élèves, et là, dans mon exemple, ces étudiants en situation de handicap, puissent réussir à l'université, par exemple. Enfin, je m'écarte un petit peu, mais je reviens au sujet ici. Au niveau des nouvelles pratiques pédagogiques, les enseignants abordent sans surprise le recours systématique au support numérique. Au niveau du mode de communication privilégié, c'était les mails, mais également le téléphone. On a eu beaucoup d'enseignants qui appelaient dans les familles, ce qui était assez intéressant. Pour les outils, ils ont mobilisé le cahier de texte numérique et l'environnement numérique de travail de leur établissement. 24 enseignants affirment avoir été en contact direct, hein, 24 sur 25, avec les familles, et cela très souvent. Et à notre grande surprise, pourtant, ils ne disent pas avoir été sollicités quant à la gestion du quotidien. Je reviens un petit peu sur la question qui a été posée tout à l'heure à mon collègue par rapport à comment est-ce qu'on a pu gérer en famille, dans la maison, cette situation scolaire. Et j'y reviens tout de suite avec les résultats des familles. Mais avant ça, sur la projection quant au retour en classe, après ce premier événement pandémique, on a analysé plutôt leurs réponses textuelles. Et le mot qui ressort le plus, c'est le mot « élève », pour faire retrouver à l'enfant son statut d'élève, comme si ce statut ne pouvait exister en dehors de leur classe, comme s'ils ne pouvaient pas être élèves pendant qu'ils étaient à la maison en continuité pédagogique. Donc c'est vraiment ça qui est ressorti le plus de ce travail, et on voit aussi le mot travail là, qui prend de la place également pour les enseignants. Alors les résultats de la famille maintenant, sur les 25 familles qui avaient en tout 55 enfants, 22 enfants sans troubles et 33 en situation de handicap, puisqu'évidemment dans une même famille, on peut avoir plusieurs fratries avec et sans situation de handicap. La grande majorité des réponses provenant de familles d'enfants scolarisés plutôt en élémentaire.
Si on s'intéresse aux détails de ces élèves en situation de handicap en fonction du trouble, une majorité de familles d'élèves avaient des élèves qui présentent ce qu'on appelle des troubles des apprentissages. Alors, vous savez, on a des moyens de déterminer quel est le trouble. Ce sont toujours les médecins qui doivent poser un diagnostic de trouble. Et dans le nouveau manuel diagnostique actualisé, qui s'appelle le DSM-5, qui date de 2013, les troubles des apprentissages concernent principalement la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Avant, nous avions par exemple les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité qui étaient inclus dans ces catégories de troubles des apprentissages, ce qui en est un petit peu sorti, mais on pourra y revenir si vous avez des questions à ce moment-là. C'est pour ça que vous voyez par exemple le TDAH est séparé de cette catégorie. C'est parce que dans les catégorisations internationales des troubles, ça n'en fait plus partie. Pour leurs résultats, en ce qui concerne les nouvelles pratiques pédagogiques, les parents abordent également sans surprise le recours systématique au support numérique. Pour la communication privilégiée également, le mail, mais également les téléphones et surtout les SMS avec les enseignants de leurs enfants. S'agissant des outils, là également, le cahier de texte numérique et l'environnement numérique de travail de l'établissement. Avec sur ces trois premières rubriques, les réponses des parents et des enseignants qui sont tout à fait cohérentes avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, puisqu'elles sont liées à la politique en fait, de déploiement dans l'académie, les ENT, sur les différents établissements qui ont été proposés. 24 familles nous disent avoir été en contact direct très souvent, mais une sans aucun contact. Et cette famille nous dit même dans les réponses que l'enseignant a totalement abandonné son poste. Malheureusement, c'était arrivé, on ne va pas se mentir, certains enseignants ont été débordés, y compris par leur propre vie familiale, qui ne leur permettait pas forcément d'agir au mieux pour tous. Enfin, ce qui concerne la projection quant au retour en classe, on découvre au final, chez ces familles qui ont répondu à l'enquête, une vision plutôt positive, en réalité, de ce qui s'est passé dans la classe à la maison avec leur enfant, je rappelle, en situation de handicap, mais certaines familles pouvaient avoir plusieurs enfants, dont certains sans handicap. Quelque chose d'assez positif, avec des relations plutôt apaisées, même si l'objectif d'apprentissage n'a pas forcément été atteint. Peu importe, ce n'était pas forcément ça le plus important. Là où les enseignants voyaient une nécessité de reprise pour soulager les familles, pour reprendre en main les apprentissages, en quelque sorte, les familles n'avaient pas forcément envie d'être dépossédées de leur enfant et ont pu aussi vivre des moments très particuliers, très, très humains, très dans leur famille. Et les apprentissages ont pu passer un petit peu en second lieu. Et finalement, était-ce bien grave? Je ne sais pas, on pourra en rediscuter. Donc, malgré le faible nombre de répondants, liés en partie peut-être à la longueur du questionnaire, liés à une certaine défiance, on va le dire, vis-à-vis de leur hiérarchie, par exemple, du rectorat. Les enseignants peut-être ne répondaient pas parce que nous avons voulu faire les choses dans l'ordre et demander de manière hiérarchique, mais peut-être que c'est ça qui a bloqué le plus les enseignants et finalement, ils n'y ont pas répondu en pensant qu'il allait y avoir un effet, en fait, qu'on allait chercher les résultats, alors qu'on dit bien que c'est absolument anonyme et que c'est à des fins de recherche, mais enfin... parfois, c'est un petit peu difficile, peut-être, de faire confiance à ça. Malgré également le fait que les enseignants ont répondu ne soient pas forcément les mêmes que ceux concernant les fameuses 25 familles, ce qu'on peut mettre en avant, c'est un certain nombre d'éléments intéressants avec des outils proposés par l'éducation nationale, à savoir EduSchool, les classes virtuelles du CNED, qui finalement ont été assez peu utilisés. On a mis beaucoup de moyens, mais ce n'est pas ce qui a été le plus utilisé. Bon, les plus réalistes disaient que c'est parce que ça ne marchait pas si bien, que ça n'a peut-être pas été tellement utilisé. En tout cas, les enseignants comme les familles, ils ont investi l'outil numérique, mais ce qui leur importait aussi peut-être le plus, c'était de s'appeler, d'avoir un contact plus humain peut-être, en passant par le téléphone. Et puis au-delà des apprentissages, les deux corps constatent aussi le manque de socialisation à cette période, en mettant en avant que la socialisation a un rôle majeur dans l'école. Ce ne sont pas que les apprentissages finalement qui nous intéressent, c'est aussi
dans l'inclusion, on n'est pas que dans le scolaire, on est aussi dans le social qui est très présent à l'école. Donc, côté enseignant à gauche, par exemple, on voit aussi une certaine humanisation du métier et la prise de conscience de l'enfant et de sa famille derrière l'élève avec son trouble. Ce n'est pas juste un élève avec son trouble, c'est un élève qui est un enfant, qui vit dans une famille dans laquelle il se passe des choses. Alors qu'en présentiel, quand on est à l'école, lorsque l'élève en situation de handicap n'est pas là, parce qu'il est en accompagnement par des professionnels du médico-social, les orthophonistes, les psychologues, les psychomotes ou que sais-je, c'est comme s'il n'existait plus vraiment aux yeux de l'enseignant. Et là, en fait, il est tout le temps là, dans sa famille, il a un statut différent. Et puis côté famille, sur la petite représentation à droite, on a une prise de conscience de la difficulté du métier qui s'est beaucoup fait ressentir, avec le questionnement sur la mise en place d'une continuité pédagogique qui doit être poursuivie, hein, puisqu'il faut s'en emparer hors contexte de pandémie, en fait. Il faut aussi s'en emparer hors contexte de notre académie, nous, avec nos étudiants et nos élèves en situation de handicap, puisque la rupture pédagogique est permanente pour eux. Ils sont constamment en rupture pédagogique. Et donc, on a commencé à soumettre des articles, hein, sur ce projet. On a essayé de valider également une petite échelle qui questionne ce qu'on appelle l'intelligence sociale pour voir ces effets-là. Et je vais me permettre, si j'ai encore un petit peu de temps, de faire le lien avec un gros projet que nous avons à l'Université Picardie Jules Verne, qui est issu d'un PIA3, le plan d'investissement d'avenir, hein, le troisième plan d'investissement d'avenir. Ce projet qui s'appelle 100% IDT, IDT pour Inclusion, un défi, un territoire. C'est un projet qui est porté par Béatrice Bourdin, qui est la directrice du Centre de recherche en psychologie dont je vous parlais tout à l'heure, et par Nathalie Catellani, qui, elle, est maître de conférence en langue et littérature latine du laboratoire TRAM et qui est la directrice de l'INSP d'Amiens. Ce projet, sur 10 ans, vise à favoriser l'inclusion des élèves à besoins éducatifs sur le territoire en impulsant la création d'un pôle structurant multidisciplinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui a été financé par la Caisse des dépôts sur 10 ans dans ces deux grandes régions qui sont les Hauts-de-France et la Normandie. Nous travaillons, donc ils sont associés l'Université de Lille, de Caen et de Rouen-Normandie. Évidemment, donc on est dans les Hauts-de-France, dans la Normandie, et les académies d'Amiens, de Lille et de Normandie sont partie prenante de ce projet. On a également des partenaires de diffusion qui sont Canopée et SynLab. Donc on a les universités, les INSP de chacune de ces universités qui travaillent de consort sur ce projet. Et on a trois grandes ambitions dans ce projet, trois leviers, hein, qui permettent de favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap, mais en situation de vulnérabilité. Finalement, c'est ce qu'on va appeler les élèves à besoins éducatifs particuliers. On n'en parle pas souvent, mais ils font partie, par exemple, les élèves allophones qui viennent d'arriver sur notre territoire et qui apprennent la langue. Ce sont également des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, on a une ambition sur l'identification fine des difficultés relatives à l'inclusion sur notre territoire en particulier. Il faut travailler sur un diagnostic pertinent, sur un outil de mutualisation des données, hein, pour pouvoir répondre de manière spécifique par des actions sur notre territoire. On va également travailler sur la formation initiale, la formation continue des personnels éducatifs, mais pas que de l'éducation nationale, également du médico-social, tout ce qui est médico-éducatif, des établissements de santé qui accueillent des élèves à besoins éducatifs particulier. Et il faut se coordonner dans ce monde de la pédagogie des apprentissages. Et puis, on travaille également sur le développement des connaissances scientifiques sur l'inclusion, par exemple sur les processus d'apprentissage des élèves, mais également sur l'effet de cette inclusion des élèves ordinaires. Quel effet cela a chez les élèves ordinaires, hein, d'avoir des élèves en situation de handicap inclus dans leur classe? C'est également des points intéressants. Donc, on a 6 actions dans le PIA 3. La première, c'est l'observatoire sur le long terme
avec la coproduction d'un savoir qui permet d'observer, de cartographier notre territoire pour déterminer les freins, mais surtout les leviers, les potentialités qui ne sont pas encore identifiées, qui sont émergents. Le deuxième, c'est le soutien à des recherches collaboratives sur l'inclusion pour développer des compétences professionnelles des acteurs et des connaissances scientifiques. On a également la conception d'une offre de formation initiale et continue à l'échelle des 4 INSP, donc de l'Académie d'Amiens, de Lille et de Normandie. L'action 4 dont je vais vous parler, puisque c'est l'action dans laquelle je fais le plus partie, c'est le développement de formations à et par l'interprofessionnalité des acteurs de l'éducation inclusive. Donc on va proposer d'une part à des enseignants spécialisés, mais également à des professionnels du médico-éducatif, des psychologues, des orthophonistes qui vont venir en formation. Et en fait, on observe un manque criant de liens entre ces professionnels qui pourtant travaillent autour du même enfant en situation de handicap. Et on va mesurer leurs effets sur les attitudes envers l'inclusion et sur les comportements inclusifs qu'on va réellement observer. L'action 5, qui est sur l'expérimentation d'une modalité de formation particulière, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur ces nouveaux espaces. Et là, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux apprenants. Comment est-ce qu'on peut apprendre différemment qu'uniquement à l'école? Et enfin, le sixième, c'est le soutien des recherches innovantes qui visent à concevoir des ressources pédagogiques inclusives. Voilà, je vous remercie. Bien, mais je vous remercie pour cette communication, alors que j'étais particulièrement intéressée, ça entre tout à fait dans un des axes de la mèche, cette question des vulnérabilités. Et quand vous avez parlé de soutenir des recherches collaboratives innovantes, enfin, je pense qu'il faut que vous veniez nous voir. Parce que là, je pense qu'il y a moyen de faire des choses pour aider ce pays à trois. J'imagine que vous avez prévu des journées d'études, des colloques, des... Il y en a eu une première à Rouen qui concernait particulièrement les troubles du spectre de l'autisme, puisqu'on sait que le gouvernement, par ses différents plans autisme, là nous sommes actuellement sur le 4e plan autisme, a mis en place des choses au niveau scolaire. Par exemple, il existe les unités d'enseignement maternel et les unités d'enseignement élémentaire qui permettent à 6-7 enfants par classe d'être inclus dans une école. Et les enfants autistes étaient ceux qui étaient le moins en fait inclus. Mm-hmm. Donc c'est très important d'avoir ce travail, mais on voit bien que l'inclusion des enfants autistes à l'école ne peut se faire que par l'interprofessionnalité et donc par la formation autour non seulement du trouble, mais de ce qui peut être mis en place pour eux. Et il y a des effets absolument magnifiques sur le tutorat des autres élèves, oui. qui voient la différence de leurs camarades et qui vont vraiment les tutorer et permettre une avancée, pas seulement en termes d'apprentissage, mais aussi sociale. C'est tellement important. Quand vous l'avez évoqué à propos de l'université, j'y ai pensé, parce qu'à l'université, évidemment, les structures, je veux dire, en termes de quotidien, hein, évidemment, ne sont pas présentes, mais ce sont les camarades qui aident beaucoup les étudiants en situation, notamment d'Asperger, etc. Ouais. Absolument. Je me permets de juste garder le micro un peu, parce que j'ai une question. Pour revenir au début de ce que vous aviez présenté, est-ce que vous avez eu des statistiques ou des éléments de suivi qui concernaient les différentes classes sociales dans lesquelles se trouvaient les enfants en situation de handicap? Parce que j'imagine qu'on a des difficultés qui sont tout autres lorsque, effectivement, on est dans un espace plus petit avec une famille. Dans l'académie, il y a de tout. Oui. Il y a toutes les classes sociales, puisque je vous présentais que dans les troubles des apprentissages, par exemple, on a la dyslexie qui peut nous paraître banale, j'ose dire, parce qu'évidemment,
on va par exemple avoir des professeurs des universités dyslexiques. Très bien, ça montre bien que l'inclusion marche jusqu'au bout et que ce n'est pas parce qu'on a un trouble des apprentissages quand on est petit qu'on ne peut pas réussir dans sa vie professionnelle. Donc ça concerne absolument tout le monde. Oui. Et est-ce que du coup, la continuité pédagogique a tenu compte de ces différences ? Est-ce qu'elle a été différente pour des enfants qui avaient vraiment, à la maison, qui ne pouvaient pas recevoir autant d'aide que dans des classes aisées ? Sur nos 25 répondants, en tout cas, nous avions plutôt des familles défavorisées. En pourcentage, c'était plutôt de la précarité sociale, d'accord, en tout cas. Et qui ont eu donc un suivi plutôt, vous disiez, par téléphone, etc. Plutôt par téléphone, oui. Et ce qui a peut-être aussi beaucoup joué, parce que ça permettait aux enseignants de se mettre à la place d'eux, enseignants qui ne sont pas dans cette situation de précarité, eux, dans leur quotidien, et donc d'essayer justement comme ça d'entrer dans le quotidien de ces familles par ces appels téléphoniques, a certainement joué un rôle important sur leur manière de percevoir cet élève en tant qu'enfant et non plus uniquement en tant qu'élève. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que je fais... Oui, parfait. Alors j'avais une première question qui est sur la diffusion du questionnaire, parce que 25 répondants, je me dis que ça fait quand même pas des masses. Non. Donc c'était par quel vecteur, comment, quand est-ce, et puis sur quel territoire, c'était l'académie en entier, enfin voilà. Sur les pratiques, je me demandais si, mais je sais pas si tu peux répondre à ça à partir de votre travail. Je me demandais si les pratiques des enseignants avaient été à ce point-là différentes avec les enfants en situation de handicap et ceux qui ne l'étaient pas, en fait. Il y a ça. Et dans les familles, est-ce que ça a été différent, les traitements, selon quand il y avait plusieurs enfants, en fonction du handicap ou de l'absence de handicap des enfants ? Voilà. Et puis, alors, j'avais... puis j'ai une autre remarque après. Mais sur le nuage de mots, là, avec élèves et travail, c'est les profs qui disent ça. Oui. Je me demande, en fait, à quel point ce qu'il y a dans la tête des profs, c'est pas tant que l'élève ne peut être élève qu'en classe. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt que c'est les profs qui ne peuvent être profs qu'en classe ? D'autant plus qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de visio. C'est-à-dire que quand nous, on nous a renvoyés à la maison là, après à l'automne 2020, c'était un petit peu bizarre comme situation, mais on pouvait faire cours à distance. Là, on ne pouvait plus faire cours du tout. Enfin, c'était très particulier quand même comme truc, quoi. C'était mettre en place des documents, poster des documents sur l'ENT, voilà. Juste une remarque comme ça, un peu marginale, sur la question de handicap et milieu social. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a le fait qu'il y ait des troubles, ça, c'est le premier truc. Qui est peut-être, alors je ne sais pas, j'ai pas de données là-dessus, j'ai pas d'idée, mais qui peuvent être également ou inégalement distribués selon les milieux sociaux. Mais ce qui peut l'être tout autant inégalement distribué, c'est la reconnaissance, en fait. Et le fait de faire reconnaître son enfant et d'aller à la MDPH, de faire avec deux trucs. Hein, il y a... on a un travail, d'un collègue qui s'appelle Wilfried Ligny, qui est paru sous le titre « La petite noblesse de l'intelligence », qui est sur les enfants, précoces, et où on voit que les parents jouent le verdict psy contre le verdict scolaire. C'est pas que mon fils il est asocial, etc. C'est juste un génie, quoi. Mais dans l'autre sens, c'est plus compliqué, quoi, de jouer le verdict de psy. Et là, je pense qu'il doit y avoir une variation sociale quand même du recours à la MDPH et au fait d'admettre que son enfant a un handicap.
Merci. Alors, je me suis pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, pour commencer, pourquoi que 25 ? Vraiment, on pense qu'en voulant suivre la hiérarchie comme on nous le demande, ça a eu un impact très négatif sur la réponse. Donc là, c'était les enseignants référents d'élèves en situation de handicap, ce qu'on a appelé les EREH, ça s'appelle EREH, qui ont contacté des familles. Et donc peut-être que le fait que ça venait d'eux et non pas justement d'un questionnaire mis en ligne sur un groupe de parents Facebook ou que sais-je, on en aurait eu beaucoup plus certainement, mais on voulait se prémunir du problème qui serait que les seuls parents qui répondent, c'est ceux qui ont un problème, qui veulent revendiquer quelque chose, alors que là, on leur demandait un panel un petit peu plus large. Mais bon, du coup, dans le panel plus large, il n'y a que 25 qui ont répondu. Les pratiques, est-ce qu'elles sont très différentes si les... Oui. Pour les profs, c'est passé quoi ? Par le rectorat ? Oui. Sur leur adresse pro ? Sur leur adresse pro par le rectorat. Adresse pro qu'ils ne consultent pas. Et quand ça vient du rectorat avec 25 mails de demandes par jour de choses auxquelles ils ne se sentent pas forcément concernés, ils y répondent encore moins. C'est un vrai problème. Et si tu as une idée sur comment on pourrait faire, je suis absolument preneuse. En suivant évidemment quand même les principes de ce qu'on nous demande quand on travaille avec l'éducation nationale, c'est-à-dire suivre la hiérarchie, il faut que ce soit validé par l'inspecteur, etc. Nos questionnaires, ils les avaient vus, on savait bien que c'était anonyme, mais malgré tout, voilà, ça posait ce problème-là. Concernant les pratiques, est-ce qu'elles sont différentes ou pas lorsqu'il y a des élèves en situation de handicap ? Oui, les pratiques sont différentes. Parce qu'un élève, alors moi, j'ai mon côté psy qui vient d'un enfant, mais non, dans ce cas-là, un élève, hein, dans leur vision à eux, un élève en situation de handicap dans une classe, ça va potentiellement énormément changer la dynamique de la classe. Ça va augmenter le niveau d'angoisse de l'enseignant face à ce qu'il est capable de faire. C'est extrêmement lié à un manque de formation. On a des heures de formation très, très limitées sur les besoins éducatifs particuliers. Actuellement, par exemple, à l'INSP d'Amiens, c'est uniquement sur option. Hein, c'est les étudiants qui choisissent ou pas de suivre 10 heures en M1, 10 heures en M2 autour de ces élèves à besoins éducatifs particuliers, alors qu'ils en auront tous dans leur classe. Alors déjà, est-ce qu'ils se sentent totalement concernés ? Peut-être pas. Ou peut-être pas tout de suite, pas avant d'être confronté en fait à cette difficulté. J'ai pas de réponse sur dans les familles, il y avait plusieurs enfants ou pas, on n'a pas différencié avec un si petit chiffre, ça aurait été un petit peu compliqué. Et j'ai beaucoup aimé la remarque sur est-ce que l'élève est juste un élève en classe et est-ce que c'est pas lié au fait que l'enseignant n'est lui enseignant qu'en classe. Et je crois que c'est une bonne remarque, effectivement, de se dire que là, on questionnait ses représentations à lui, en tant que professionnel et non pas en tant que simple citoyen. Et ça a certainement quelque chose... Il y a quelque chose qui se joue là, parce qu'on connaît bien hein, ces stéréotypes et on va répondre d'une certaine manière lorsqu'on est dans l'endogroupe ou dans l'exogroupe, etc. Et enfin, en ce qui concerne la reconnaissance des troubles, là, vous avez parlé des élèves à haut potentiel intellectuel, mais moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, ce sont les élèves TDA, donc troubles déficitaires de l'attention sans hyperactivité. Ceux-là, ils n'embêtent pas dans la classe. C'est souvent des jeunes filles, un petit peu au fond, bon, qui n'ont pas forcément l'air très éveillées, mais enfin, elles n'embêtent personne. Et elles viennent de familles populaires, par exemple. Ben là, elles ne vont jamais être diagnostiquées. On va attendre très longtemps, alors qu'elles auraient besoin, tout comme un garçon turbulent qui aurait potentiellement un vrai trouble déficitaire de l'attention, elles aussi, elles auraient besoin d'aide pour pallier ce trouble de l'attention qui, chez certains garçons, va se montrer par cette hyperactivité et chez certains autres enfants, ça va s'observer par, effectivement, cet enfant qui est un petit peu dans la lune, qui a du mal à suivre, qui est en difficulté scolaire. Et ça, c'est des enfants qu'on ne va pas repérer. Et encore plus dans ces catégories plutôt populaires, alors que, effectivement, dans un CSP+, les parents voudraient que leur enfant réussisse. Et donc, ils vont investiguer beaucoup plus. Ils vont utiliser des moyens, on ne va pas se mentir, financiers pour pouvoir
accéder à des diagnostics par des psychologues en libéral, par exemple, par des orthophonistes, où il est difficile d'avoir un rendez-vous, donc on va faire appel à son réseau. Et là, on est dans des inégalités très fortes, absolument. Bonjour. C'est pas vraiment une question, mais juste une petite remarque en tant que professionnelle. Donc, je ne travaille pas du tout dans le monde des enfants ou de l'enseignement, mais c'est vrai que pour travailler dans les médico-sociaux et être en contact avec beaucoup de collègues orthophonistes, même professeurs, etc., ça me paraît vraiment très intéressant et très clé, ces points de créer du réseau, créer du lien et travailler un petit peu en réseau et en lien avec pas seulement dans les mondes de l'enseignement, sinon aller aussi dans tout ce qui est médico-social, dans tous les partenaires qui vont un peu tourner autour d'un enfant qui a des besoins spécifiques. Et donc, voilà, ça me paraît vraiment très intéressant et très, un point très fort aussi de cette socialisation de l'enfant pour pouvoir aussi... peut-être diminuer ce sentiment de c'est l'enfant qui sort ou qui rentre de la classe et qui a toujours des besoins spéciaux, mais qui reste un peu dans son coin. Et du coup, voilà, c'était juste une petite remarque. Oui, absolument. Et effectivement, par exemple, dans le PIA, sur l'action, on va travailler sur l'interprofessionnalité. L'idée, c'est ça, notre hypothèse, c'est que... les faire se rencontrer à un moment donné permet aussi des changements dans leurs attitudes, dans leurs stéréotypes et très certainement, enfin on le souhaite et on l'espère, permet de travailler ensemble. Et on se rend compte qu'on fait des choses en commun, mais chacun avec son regard. Et c'est ça qui apporte quelque chose à l'élève ou à l'enfant ou à la personne accompagnée. C'est que chacun va apporter sa spécificité, peut-être sur le même point, mais avec ses moyens de faire. Et ça permettrait à l'enfant de généraliser ses compétences, par exemple, de travailler comme ça, en interprofessionnalité. Or, jusque-là, l'éducation nationale était quand même assez... structuré autour de quelque chose qui ne permettait pas vraiment d'ouvrir le professionnel à la classe et qui, du coup, sortait l'enfant de la classe quand le médico-social devait intervenir. Et ça, c'est quelque chose d'assez problématique, finalement. On a besoin de travailler ensemble, tout à fait. Même pour les professionnels, c'est sentir aussi qu'on appartient, enfin, les professionnels qui sont à l'extérieur, ça leur permet de se sentir plus appartenir à ces projets ou à ces cet accompagnement pour l'enfant, pour la famille. Donc, ouais. Je profite du micro et félicitations. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas écouté quelque chose de ta part. Et c'est toujours très clair et très intéressant. Donc déjà, félicitations, bravo pour cette présentation. Petite question quand même. On a montré, enfin, il y a pas mal de travaux qui ont été publiés dans cette période de flash Covid. Et parfois, souvent, on a remarqué en fait qu'on mettait en exergue des choses qui étaient déjà présentes avant. Sur lesquelles on ne s'était jamais penché. Et tout d'un coup, effectivement, cette pandémie nous a fait nous interroger sur les gens, le monde, les différences sociales, etc. Louis Morin a montré dans l'Observatoire des inégalités depuis des années un certain nombre de choses sur ces quartiers, sur ce monde. Effectivement, là, tu parles aussi de ces enfants qui sont isolés parfois socialement et qui montrent des problèmes particuliers à l'intérieur des classes, en situation de handicap ou pas, en exergue aussi avec cette histoire de situation de handicap. La question que je poserais, c'est est-ce que justement ce flash-là qui a été mis à un moment donné sur ces élèves, sur ces classes, particulièrement, est-ce que vous pouvez peut-être maintenant...
que la scolarité a repris, etc. Est-ce que vous avez prévu de refaire un questionnaire pour voir effectivement les différences qu'il peut y avoir dans cette période particulière de 2020 qu'est-ce qu'il en est en 2023 ou parce qu'on n'a pas forcément l'antériorité de 2017 de ce qui s'est passé à ce moment-là, enfin pas forcément sur exactement les mêmes questionnaires, mais est-ce qu'il est prévu cela et quelle question effectivement de l'écart ou du delta tu penses qu'on peut observer par rapport à ça? Justement, donc, je n'ai pas présenté les résultats, mais on a un questionnaire qu'on essaye de valider. On fait toute une analyse factorielle sur ce questionnaire-là qui s'intéresse particulièrement à l'intelligence sociale. Parce qu'on veut voir, finalement, si ce n'est pas aussi un aspect totalement issu de la personnalité de cet enseignant-là. Vraiment, là, c'était plutôt sur l'enseignant ou le parent qui a eu ce rôle particulier, qu'est-ce qui a changé en lui. Donc le questionnaire qui a été fait, là il est en pleine validation et on voudrait le repasser effectivement, c'est tout à fait en projet pour aller voir s'il y a quelque chose qui a changé. Et socialement, je crois que ce qui a changé, en mettant le focus sur ça, c'est qu'on a justement eu plus de moyens. Plus de moyens, par exemple financiers, pour faire de la recherche là-dessus. Plus de moyens pour inclure les élèves. Et à l'université, tout à l'heure, on parlait du dispositif Aspie Friendly pour les autistes. Mais justement, ce que nous a demandé là, récemment le gouvernement quand on allait présenter Aspie Friendly au ministère, OK, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour tous les troubles du neurodéveloppement. Pas que pour les autistes, parce que là, on a essayé, ça fait 4-5 ans, on a des beaux résultats, des belles choses à faire, et maintenant, il faut pouvoir essaimer à d'autres troubles, à d'autres difficultés, et mettre le focus dessus, c'est nous donner des moyens, et je crois que c'est hyper important. Alors, on ressort quelque chose de positif, quand même. Hein. On essaye. Bien, merci beaucoup, merci encore.